Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer mon nouveau protocole pour reprendre des forces, pour redevenir un peu plus valide au point de vue musculation. Et donc pour ceci, il me faut plus de protéines. Alors ce que je faisais avant, c'était simplement un peu de bone broth organique, mais bien sûr, ça ne suffit pas et je me remets à la viande. Et j'en profite pour détruire une légende. Oui, la viande rouge peut être cancérigène ou peut-être pas. Alors, elle est cancérigène quand vous achetez de la viande rouge de supermarché qui n'est très mal nourrie, nourrie aux OGM, nourrie au soja, nourrie à plein de choses que naturellement la vache ne mangerait jamais. Alors, si par contre vous achetez de la bonne viande, et c'est très facile, regardez. Grass-fed, des steaks hachés, 26 grammes. Voilà, ça, aucun problème. Après, vous pouvez les acheter en pack, comme ceci. Vous voyez, ils se vendent par 3 à un prix tout à fait raisonnable. Et donc, ceci, c'est grass-fed. Et ceci n'entraîne pas de cancer. Ceci n'est pas nocif pour nous cancéreux, les amis. Que ce soit extrêmement clair. Jusqu'à présent, je ne m'y étais jamais intéressé parce que j'avais vu que la viande la viande rouge, était cancérigène. Mais c'est faux! Un type de la viande de mauvaise qualité est cancérigène, c'est sûr. Mais on n'est pas obligé d'acheter celle-là et encore moins de manger ce type de viande. Alors, les amis, qu'est-ce que je fais? Je mange maintenant un steak ou alors un comme ceci. Et je mets quoi dessus? Un œuf bio de poule, bien sûr, élevé à l'extérieur, évidemment. Et de manière à éviter de monter ma glycémie, qu'est-ce que je fais? Je mange avant des légumes. Alors, je mange brocoli, cauliflower. Ça, c'est quelque chose de connu puisqu'il y a énormément de sulforaphane. Donc, ça veut dire sulforaphane, ça veut dire anti-cancer. Ça veut dire l'apoptose du cancer, des cellules du cancer. Je prends aussi avant des poivrons, des mini-poivrons, des fois des gros poivrons, ce qui me tombe sous la main. Et bien sûr, je n'oublie jamais mon ail. De l'ail, j'en mets partout. On s'habitue, les amis, on s'habitue au goût de l'ail. Eh ben oui, il faut. Alors maintenant, ceci, quand je le mange, des fois, c'est un peu fadasse. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me fais une sauce utile, comme tout ce que je fais. Alors, c'est du bone broth, c'est-à-dire du bouillon d'os de poulet, les amis, que je mélange avec des graines de lin, avec différentes graines qui ont beaucoup de B1. Et de cette manière, ça nous fait une espèce de sauce onctueuse, style un peu mayonnaise ou gelée, comme ça dépendra de la quantité que vous en mettez. Et ceci, je trempe mes légumes dedans ou alors je mets mes légumes dedans. Je rajoute un peu de poivre de Cayenne, je rajoute du turmeric, je rajoute du gingembre, pour donner un bon goût. Et de cette manière, les amis, je continue ce que je fais depuis 4 ans qui me maintient en vie. Alors maintenant, avec tout ceci, des fois, on peut très bien avoir des problèmes intestinaux. Personnellement, j'en ai pas, mais beaucoup de gens en ont. Un petit clin d'œil à Jack, de Jack Teams. De Jack's Team, pas... Bon, vous m'avez compris. Et donc, qu'est-ce que je prends, les amis? Je prends de la choucroute
choucroute, de la choucroute. Je prends du kéfir, je prends du kimchi. Et avec tout ceci, je refais continuellement mon microbiome, ce qui fait que j'arrive sans aucun problème à digérer les fibres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, j'espère avoir été précis, j'espère avoir été concis, j'espère avoir été compréhensible. Merci les amis, une très très bonne journée. Et un petit clin d'œil à notre ami Fred Evrard qui est en train de se remettre tranquillement chez lui de son opération et de son stress énorme. Voilà, alors bientôt les amis, avec lui, sur nos chaînes réciproques pour raconter sa guérison et donc son protocole qui est très proche, mais je ne vais pas dire très proche aujourd'hui, je vais dire absolument proche du mien, équivalent au mien, puisque de mon côté, j'ai rajouté les bonnes viandes et de son côté, j'espère qu'il m'a rajouté les bons légumes dès qu'il pourra en prendre. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.